Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment définir une page d'accueil sur votre site web, en l'occurrence celle-ci, enfin sur votre blog plutôt, et de définir une page où seront regroupés vos articles. Du coup, ça va être très simple, parce que par défaut sur WordPress, tous vos articles sont regroupés comme ceci, mais sur votre page d'accueil. Et bah là, je vais vous montrer comment avoir une page d'accueil que vous pourrez modifier toute seule et regrouper vos articles sur une autre page, en l'occurrence la page blog ici. Alors ça va être très simple, va falloir aller dans les réglages, puis dans lecture, je crois. Ouais, ça va être ici. Quand vous allez arriver la première fois, ce qui sera coché ici, ce sera les derniers articles. La page d'accueil, elle regroupera les derniers articles, mais vous allez devoir cliquer ici juste en dessous. Et pour page d'accueil, du coup, vous mettrez la page d'accueil. Et pour la page des articles, parce qu'il faut bien une page qui puisse regrouper tout, archiver vos articles, vous allez tout simplement créer une page en plus, que vous appellerez blog ou comme vous voulez. Et vous mettrez cette page ici. Et vous n'aurez plus qu'à enregistrer les modifications. Du coup, voilà, ce sera tout pour ce rapide tuto. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.